des terroristes du Hamas, armés, stoppant des camions d'aide humanitaire et tentant de s'en emparer. Des images fournies par l'armée israélienne ce samedi et filmées dans le sud de la bande de Gaza près de Rafah. Ces mêmes terroristes ont ensuite été éliminés. Selon Tsahal, les troupes de la brigade Givati continuent leurs opérations ciblées dans le territoire palestinien. Des dizaines d'autres terroristes ont été neutralisés, des armes, infrastructures terroristes et puits de tunnels localisés et démantelés. L'armée israélienne a quant à elle mené une frappe, dite de précision, contre des terroristes qui opéraient à l'intérieur d'un centre de commandement et de contrôle du Hamas dans la ville de Gaza, un centre qui servait auparavant d'école et utilisé par les combattants du Hamas pour planifier et mener des attaques. Toujours selon Tsahal, des armes spécifiques auraient été employées pour atténuer les risques de tuer des civils. Le Hamas affirme qu'au moins 22 personnes sont mortes dans la frappe.